Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma night routine spéciale maman. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, bien sûr, vers 16h30, 17h, c'est à peu près l'heure où ma fille doit manger. Donc, je me cale tranquillement sur le canapé avec ma poupette. Donc, là, comme vous voyez, le biberon était déjà fait parce qu'elle avait déjà un petit peu mangé un petit peu avant. Mais vu que madame aime bien manger son biberon plusieurs fois, bah voilà, je m'y colle. Donc, j'aime beaucoup ces moments-là. C'est un moment privilégié avec ma fille et j'adore ça. Et très souvent, mes enfants s'incrustent également sur le canapé avec moi. Une fois fini, donc il est pratiquement 18h, je vais dans la chambre de mes enfants et je commence à préparer donc leur pyjama. Donc je prends celui de mon fils et je viens chercher celui de ma fille. Je les mets dans la salle de bain, donc là ma fille elle a vraiment le chic de mettre ses pyjamas tout le temps à l'envers, c'est pénible. Donc je viens tout simplement leur plier leurs petits pyjamas et je viens tout simplement leur mettre le gel douche et les shampoings, comme ça ils ont vraiment rien à faire, ils ont juste à filer à la douche. Pendant que mes enfants se douchent, j'en profite pour changer ma poupette. Donc moi je lave ma fille tous les matins, donc là je vais juste la mettre en pyjama. Je vous ai fait une morning routine mais je vous ai pas montré quand est-ce que je la lavais parce que c'est beaucoup trop compliqué à filmer en fait. Mais je fais un coup le bain et un coup le lait de toilette. Là voilà, elle était déjà lavée donc j'ai plus qu'à la mettre en pyjama. J'adore ces moments-là aussi, c'est trop mignon. J'en profite également pour lui faire un petit brin de toilette au niveau du visage parce qu'elle a quand même pas mal transpiré et lui mettre sa petite crème hydratante. Une fois fait, je viens tout simplement la mettre dans le lit pour la savoir en sécurité et je vais terminer de m'occuper de ma fille. Donc principalement pour lui sécher les cheveux puisqu'elle a les cheveux longs et ça goûte énormément au niveau des pointes et après elle est trempée. Même s'il commence à faire chaud, il y a des jours où encore il fait assez frais et j'ai absolument pas envie qu'elle tombe malade. Donc je viens tout simplement lui sécher les cheveux et je termine par lui faire une petite tresse pour éviter les nœuds le lendemain matin. Une fois terminé, je viens également moi choisir mes vêtements pour la nuit. Donc en règle générale, c'est un petit pantalon parce qu'il fait encore froid. Et je viens tout simplement regarder ce qu'on va manger ce soir-là. Donc là, j'avais décidé de faire un gratin au chou-fleur avec du poisson. Donc cette fois-ci, c'était du cabillaud. J'aime trop ça, c'est super bon. Les chou-fleurs, mes enfants n'en sont pas très très fans, pardon. Mais en gratin comme ça, eh ben, ils ont beaucoup aimé. Donc j'étais très contente. Donc une fois que mes chou-fleurs sont cuits, je viens tout simplement les vider donc dans un... Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Donc je viens les mettre là-dedans en attendant que je fasse ma béchamel. Donc la béchamel c'est très simple, hein. Je pense pas que je vous explique comment on la fait.
Je vais mélanger ma béchamel avec mes choux-fleurs, je rajoute un petit peu de gruyère et je vais enfourner ça pendant 30 minutes à peu près. Ensuite, je vais prendre en fait, ce sont des petits sachets, la Wow Slim, qui sont en fait des sortes de coupe-faim, ce qui va vous permettre de moins manger et de manger peut-être un peu plus équilibré. Après, bien sûr, ça fonctionne si vous avez une bonne alimentation, que j'ai reçu de la part de la marque et ainsi du site Influence for Brand. Donc, je suis très contente de pouvoir le tester. C'est un petit goût orangé, j'aime beaucoup et c'est une cure de 30 jours. En attendant que ça cuit, je viens tout simplement me laver. Donc je commence par me démaquiller avec un petit tissu comme ça, je pense que vous connaissez. J'utilise que ces produits là maintenant pour me démaquiller, c'est économique, vous n'avez pas besoin de produits et je trouve que ça démaquille hyper bien, même le waterproof. Ensuite je file à la douche, donc pour ça j'utilise un gel nettoyant pour le visage de chez Neutrogena, spécialement conçu pour les boutons que j'aime beaucoup, un exfoliant de chez Ushuaïa qui est plutôt pas mal et bien sûr mon gel douche de chez Cottage, cette fois-ci c'était à la violette. Une fois sortie de la douche, j'utilise une crème pour la cellulite de la marque Linéance que j'ai reçue du site Influence for Brand que j'aime beaucoup. Donc moi j'utilise celle-ci qui est anti-cellulite et ultra fermeté que vous devez mettre en fait le matin et le soir. J'aime beaucoup, c'est quelque chose de très très frais, ça rend la peau vachement douce. Après pour ce qui est du résultat, ça je vous apporterai un petit peu plus tard parce que ça fait pas assez longtemps que je l'utilise. Et j'ai appliqué également une crème. Donc au niveau de mes genoux, de la marque Havaïs, de mes genoux, de mes mollets, de mes bras, parce que j'ai la peau extra sèche en ce moment. Ensuite je viens m'occuper de mon visage, donc pour ça de la marque Zima, en fait c'est un sérum pour les imperfections. Je l'ai reçu de la part d'Octoly, j'adore ce produit, ça me fait penser un petit peu à l'arbre à tête de chez The Body Shop, je trouve que c'est à peu près le même principe. C'est aux huiles essentielles, ça a une odeur assez forte mais je le trouve vraiment excellent, j'ai beaucoup moins de boutons depuis que je l'utilise vraiment. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et je vais bien sûr terminer avec mon contour des yeux de la marque Kiehl's que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'il hydrate vraiment très très bien le contour des yeux et j'adore. Ensuite place au repas, donc je mets tout simplement mes choux-fleurs, je mets mon poisson, j'ai mis un peu de riz qui me restait de midi et je viens presser un petit citron par-dessus le poisson parce que je trouve ça super bon. Ensuite je viens me brosser les dents donc avec un dentifrice Merci Andy qui est super bien, j'aime beaucoup. Il mousse pas des masses comparé à d'autres dentifrices mais j'adore le goût. Pourtant je suis pas très très fan de la réglisse à la base mais j'adore ce dentifrice. Donc je l'ai reçu bien sûr de la part d'Octoly et de la marque donc je tenais également à les remercier. Et voilà un petit peu pour ma night routine. Ensuite je vais dans ma chambre avec ma fille, je la cale sur moi parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à l'endormir et je reste comme ça jusqu'à temps qu'elle dorme. Donc en attendant je regarde un petit peu la télé et une fois que ma poupette s'est endormie, donc soit je redescends en bas avec mon homme ou soit en règle générale je reste dans mon lit, je me regarde un petit film ou une petite série et après je fais dodo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.